Come on now, give Annie a round of applause. So you guys have been so amazing. It's so great to see there's so many of you still here. You made it through. And I did it last time, let's do it again. Give yourselves a round of applause. So we're wrapping it up. We've got the finish line right in front of us. I'm gonna make a quick announcement. It looks like we've got at least one more speaker online. I know this person, that's Mashunda. Hey. Hello, hello. Hello, Singapore. Hey, well, where are you coming from, Mashunda? I'm from Algeria, North Africa. Hey. Is a Maghreb community. Coming in from North Africa in Algeria. Okay, before yes. Mashunda goes on, I'm going to make a quick announcement. Now, is there anyone in the audience who was on the list and was expecting to speak today at these lightning talks, and you were a little late or something, and you haven't gone up yet? If you're in the room, please raise your hand so we don't miss you. Okay, I'm scanning slowly. Okay, I'm not seeing anyone. So Mashunda, it looks like you're gonna close us out. Without further ado, everyone, Mashunda. Give you, a round of applause. Hello. Hello, hello. OK, aujourd'hui, on va parler un peu de la connaissance. Donc, la connaissance, c'est une connaissance qui a été introduite grâce à Wikipédia depuis 20 ans. Donc, la communauté a collecté, payé, trié, nourri des milliers d'idées à travers toute une communauté. Depuis 2017, nous avons commencé à réfléchir à une nouvelle stratégie pour arriver en 2030 pour être les meilleurs dans la connaissance. Notre communauté est internationale. Donc, nous avons accumulé tellement de connaissances que nous peinons à les utiliser. C'est très difficile d'utiliser cette quantité très gigantesque de connaissances. Avec Internet, la connaissance s'est dématérialisée. Elle devient accessible gratuitement. Cela signifie que tout le monde dans la communauté et au-delà peut l'utiliser. Si nous voulons que des informations sur, par exemple, sur un gâteau traditionnel dans le Maghreb, ici en Algérie, qui est le makhrout, qui est une pâtisserie maghrébine à base de semoule, pour le fameux makhrout, on aura juste besoin que une ou deux informations au cours d'une discussion collégiale avec des amis. Donc, on a besoin juste de quelques photos, de peut-être de sa préparation, comment préparer ce gâteau, comment son goût, est-ce qu'il est sucré, est-ce qu'il est salé. Donc, il faut qu'on puisse définir là l'information. C'est juste ça. Donc, nous devons définir l'information comme unité de mesure. Une nouvelle unité de mesure doit être connue par nous, par tout le monde, nous comme communauté. Donc, une page qui contient des milliers et des milliers d'informations, comment peut-on la lire et l'offrir durant une discussion ou bien durant un travail. Donc, cela nous permettra de voir une nouvelle façon de diffuser ces connaissances, avec une rapidité et avec la bonne mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le vieux ordinateur qui a fait le succès de Wikipédia a été remplacé par de petits appareils, des smartphones maintenant. Maintenant, on a des smartwatches, des montres intelligentes. Et il y a beaucoup d'autres objets qui sont disponibles partout à travers nous, autour de nous. Nous étions en dehors du système, maintenant nous sommes à l'intérieur du système, tous les objets nous entourent. Donc les moteurs de recherche sont devenus obsolètes et remplacés par les réseaux sociaux. La connaissance ne sera plus synonyme de Wikipédia. Donc il faut que nous réfléchissions à améliorer cette information et l'offrir dans le futur avec une intelligence artificielle
qui va prendre de nouvelles versions et il va devenir de plus en plus utilisé. Donc, tout est disponible à nous, entre nous, entre nos mains. Donc, utilisons cette information. On est tous là pour offrir cette information et qu'elle soit toujours disponible à tout le monde. Donc, après la collecte de l'information, réfléchissons dès maintenant à comment l'offrir à tout le monde d'une meilleure façon, où que l'on soit. Donc, on n'a pas besoin de présenter des dizaines de pages sur un sujet grandiose comme le macroute. Donc, on a juste besoin d'une photo, d'une image, d'une recette de cuisine. C'est bon. One minute. Voilà. Donc, merci beaucoup. Réfléchissez avec moi. Et merci. Merci, Bakunda. Everybody, say merci. Woohoo! Yeah, they're going wild. They loved you. Oh my gosh, they're losing it. If you could only see it. Thank you so much for coming out. Thank you. Merci, Bakunda. A plus. Okay, so we're done. Yay! You did it! Woo!